C'est les organes du corps humain qui se réunissent en colloque pour décider qui sera le chef. Puis là, t'as le cerveau qui se lève, puis qui prend la parole, puis il dit « Bah écoutez, c'est évident que c'est moi le chef. Je dirige tout, je contrôle tout. » Là, t'as le cœur qui dit « Non mais ça va pas, ou bien, le chef c'est moi. C'est moi qui irrigue tout le corps. Sans moi, il n'y a rien qui se passe. » Là, t'as l'estomac qui riposte. Non mais hé les gars, moi je nourris tout le monde, hein. Si je m'arrête, il y a tout le monde qui crève, hein. Alors là t'as le rectum qui dit, bah enfin voyons, c'est moi le patron, moi je débarrasse toutes les ordures. Tous les autres commencent à rigoler puis à se foutre de sa gueule. Du coup le rectum il choisit de faire la grève. Alors 3 jours après, qu'est-ce qui se passe? Bah le cerveau il a mal à la tête, l'estomac il sent mal. Le cœur, il a des palpitations. Alors, ils se réunissent de nouveau, en colloque, et ils décident que c'est le rectum le chef. Moralité, pour être chef, il n'y a pas besoin d'être intelligent ou être important. Il suffit d'être un trou du cul.